La poche que les marsupiaux ont sur le ventre est généralement orientée vers le haut. Ce n'est pas le cas chez les wombats. Ces créatures à dents aiment trop creuser. C'est pourquoi leurs poches sont orientées vers les pattes arrière. Ainsi, elles peuvent creuser sans blesser leurs petits. D'ailleurs, tous les petits des marsupiaux sont appelés des joeys. Cela inclut les kangourous, les koalas et bien sûr les wombats. Les araignées ont un cerveau minuscule, mais leur toile est un outil puissant. Elles l'utilisent pour voir, entendre et sentir tout ce qui les entoure. Plus impressionnante encore, la toile sert aussi de banque de mémoire. Au lieu de se souvenir de l'endroit où elles ont caché leur proie, les araignées s'en remettent à leur toile pour cela. Les dipodomises peuvent survivre pendant des années sans eau. Ils tirent toute l'humidité dont ils ont besoin des graines qu'ils mangent. Et vivre dans un désert aride ne leur pose aucun problème. Les lézards Jésus-Christ peuvent courir sur l'eau. Leurs pattes arrière sont dotées de longs orteils avec des franges de peau qui s'étendent dans l'eau. De ce fait, une plus grande surface de la patte du lézard entre en contact avec l'eau. Et le lézard n'a plus qu'à bouger très rapidement. Lorsqu'un poisson cardinal consomme trop de zooplancton, ces minuscules créatures commencent à briller à l'intérieur du corps du poisson. Il devient plus visible pour les prédateurs et recrache le plancton, ce qui donne l'impression qu'il exhale des rafales de feu bleuâtre. Il existe une espèce particulière de méduse qui peut vivre éternellement. Lorsque la créature atteint la fin de sa vie, elle se transforme à nouveau en polype et recommence son cycle de vie encore et encore. Les tarsiers ont les plus grands yeux par rapport à leur corps. Leurs yeux occupent presque toute la surface de leur tête. En contrepartie, ces énormes globes oculaires permettent à l'animal de voir la nuit aussi clairement que le jour. Les geckos sont équipés de minuscules poils sur leurs pattes. Ces attributs leur permettent de grimper sur n'importe quelle surface et de courir dessus comme s'ils étaient au sol, même si c'est un plafond. La crevette pistolet tire son nom de son étrange griffe. Normalement, elle est ouverte, mais lorsqu'elle se referme, elle crée une bulle projectile qui étourdit sa proie. La détonation est si puissante qu'elle crée un éclair de lumière et chauffe momentanément l'eau à une température comparable à la surface du soleil. L'opossum est la némésis naturelle de tout serpent. Ces créatures sont immunisées contre leur venin et aiment beaucoup grignoter les redoutables reptiles. Il ne faut toutefois pas les confondre avec les possums. Lorsque les hippopotames ont trop chaud, ils sécrètent un liquide rosâtre à travers leur peau. Ce liquide recouvre rapidement leur corps et les protège de l'insolation. Les suricates, qui aiment aussi beaucoup le soleil, ont des cernes noires autour des yeux qui donnent l'impression qu'ils portent des lunettes de soleil. Et c'est exactement le rôle de ces anneaux. La fourrure noire bloque la lumière du soleil, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. Les perroquets, avec leur capacité à imiter la parole humaine, ne tiennent pas la comparaison avec les ménures. Ces imitateurs peuvent apprendre et produire plus de 20 sons différents, notamment celui d'une tronçonneuse, d'un aboiement de chien, d'un moteur de voiture et d'une alarme incendie. Et bien sûr, d'autres chants d'oiseaux aussi. Le bouquetin des Alpes est le champion absolu de l'escalade dans le monde animal. Les mères et leurs petits semblent défier la gravité en escaladant des parois verticales de falaises où aucune autre créature ne peut marcher. Les mâles, quant à eux, préfèrent les plateaux. Les lézards sont connus pour faire repousser leur queue et parfois même d'autres membres. Mais l'axolotle les surpasse tous. Ces étranges créatures peuvent régénérer des organes aussi complexes que leur cœur ou leur cerveau. Le saumon, ce gracieux coureur aquatique, possède un système de navigation intégré. Son corps réagit aux champs magnétiques de la Terre et aide le poisson à trouver son chemin sur des milliers de kilomètres. Lorsqu'ils sont menacés, les coléoptères bombardiers ouvrent le bout de leur derrière et pulvérisent sur l'agresseur un liquide nocif. La réaction chimique à l'intérieur du corps du coléoptère rend ce spray aussi chaud que de l'eau bouillante. Les puces sont certes de petite taille, mais ce sont les meilleurs sauteurs de toute la création. Si les humains pouvaient sauter comme ces minuscules parasites, ils pourraient sauter par-dessus le sommet de la tour Eiffel. Les mille pattes sont déjà assez effrayants en soi, mais certains de leurs mécanismes de défense sont encore plus impressionnants. Par exemple, ils peuvent exsuder du cyanure qui brûle en réponse à une menace. Certaines espèces peuvent briller dans le noir. Les pieuvres ont trois cœurs, dont deux pompent le sang vers les branchies et le troisième le fait circuler vers les autres organes. Leur sang est d'ailleurs bleu et elles ont aussi jusqu'à 9 cerveaux. L'un est central et les 8 autres contrôlent, tu l'auras deviné, leurs tentacules. Les chevaux ont des fourchettes dans les jambes, pas des fourchettes de table,
La fourchette du sabot est un organe triangulaire qui absorbe le choc du pas et aide à pomper le sang des sabots vers le haut de la jambe. En ce qui concerne les pieds des chevaux, leurs sabots sont faits de la même matière que tes ongles et tes cheveux, la kératine. Donc, on pourrait dire que les chevaux galopent sur leurs ongles. L'étoile de mer n'a ni cerveau, ni cœur, ni poumon. Pourtant, elle a des centaines de petits pieds, ce qui lui permet de marcher, et elle s'en sert aussi pour pomper de l'eau à travers son corps. L'eau agit comme du sang pour cette créature. Les girafes sont les plus petites dormeuses du monde. Elles n'ont besoin que de 2 heures de sommeil par jour. En plus, elles ne le font pas d'un seul coup, mais tombent dans des périodes de sommeil de 5 minutes. Les cigales n'ont pas de prédateurs naturels. Non pas parce qu'elles sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais parce qu'elles hibernent pendant 13 à 17 ans et qu'aucun animal ne peut compter sur elles pour se nourrir. Les rayures du tigre sont tout aussi uniques que les empreintes digitales humaines. Et il n'y a pas que leur fourrure qui est rayée, leur peau l'est aussi. En parlant d'empreintes digitales, si un koala laisse ses empreintes sur un objet, elle pourrait être confondue avec celle d'un humain. À part les humains, aucun animal ne peut rougir. Les scientifiques pensent que ce phénomène est purement social, afin que nous puissions communiquer avec nos semblables sans parler. De même, excepté l'homme, aucun animal n'a de menton. Mais cela reste encore inexpliqué. Il sert peut-être juste à faire des tractions. Le ouistiti pygmée est le plus petit singe de la planète. Il est si petit qu'il pourrait serrer ton pouce comme si c'était un tronc d'arbre. Les paresseux qui vivent sans se presser peuvent prendre un mois entier pour digérer un seul repas. Les vaches, quant à elles, possèdent 4 estomacs. Enfin, pas exactement. Elles ont un seul estomac à 4 compartiments. Elles en ont besoin pour digérer l'herbe, ce que les humains et les prédateurs ne savent pas faire. Les chouettes ne peuvent pas bouger les yeux dans leurs orbites. C'est pourquoi elles doivent tourner toute leur tête pour regarder autour d'elles. Mais en contrepartie, cette tête peut tourner à presque 360 degrés. La crevette mante est l'une des créatures les plus colorées du monde. Elle nous semble de couleur arc-en-ciel, mais pour ses congénères, elle arbore un millier de couleurs. Leurs yeux peuvent détecter des milliards de nuances de plus que les nôtres. Les escargots peuvent sembler inoffensifs et placides, mais ils ont jusqu'à 15 000 dents. Dans la bouche d'un escargot, il y a plus de petites incisives que dans celle d'un requin. Bien que l'odorat des chiens et des chats soit très supérieur au nôtre, ils ont un sens du goût assez faible. Les chiens ont environ 5 fois moins de papilles gustatives que nous, et les chats n'en ont que quelques centaines, quand nous en avons 9000. Les orques sont parmi les créatures les plus intelligentes de la planète. Elles entendent les appels de leurs congénères sur des dizaines de kilomètres et ont des appels uniques pour chacun des membres de leur meute. Ces appels ont le même rôle que nos prénoms. Le cri d'une baleine bleue peut être entendu sur des centaines de kilomètres. Et si tu es trop près d'une baleine quand elle émet un cri, tu risques de perdre l'ouïe. Il est plus fort qu'un moteur à réaction. Les yeux des rennes changent de couleur selon la saison. En été, ils sont dorés et en hiver, ils sont bleus. De plus, alors que les bois des rennes sont encore en pleine croissance, ils sont très sensibles. Mais lorsqu'ils sont adultes, ils perdent leur couche de peau extérieure et deviennent durs comme des os. Les loutres se tiennent par la patte pendant qu'elles dorment sur l'eau, afin de ne pas se retrouver séparées par les courants. Le colibri est une créature dont le métabolisme est le plus rapide de la planète. Son cœur bat à plus de 1200 battements par minute, soit plus de 20 battements par seconde. Et si tu étais un colibri, tu devrais manger 25 à 40 kg de nourriture par jour. La structure de la trompe d'un éléphant est similaire à celle de la langue humaine. Elle est constituée de nombreux muscles entrelacés. C'est pourquoi elle est si flexible. Les papillons sentent les odeurs avec les antennes de leur tête et les femelles goûtent les fleurs avec leurs pattes avant de les récolter. Les bourdons sont si grands par rapport à leurs ailes qu'ils ne devraient pas pouvoir voler du tout. Pourtant, leurs petites ailes se déplacent non pas de haut en bas, mais d'avant en arrière, ce qui crée de minuscules tempêtes autour de leur corps et leur permet de surfer sur le courant d'air produit.